ma méthode de travail, en général, je reçois mon scénario quand je ne le fais pas moi-même, je reçois la page de scénario, et à partir de ces pages d'écriture, j'attaque sur des petits croquis tout petits qui me permettent d'avoir une vision globale d'une séquence, d'une 7-8 pages en général, que je fais à la suite. Une fois que ce passage-là, je suis d'accord, je suis content de ce que j'ai fait, je l'agrandis, je fais la même chose, mais en grand. Ou là, j'ai mes proportions de cases. C'est pas vraiment très précis encore, c'est juste d'essayer de trouver le plan, comment il va fonctionner, quelle l'importance de du texte, des choses comme ça. Et une fois que ça c'est fait, sur des feuilles à part, je fais chaque case. Là en ce moment je fais des cases souvent sans décor parce que je me débrouille, je fais les décors à côté où il y a des assistants qui me les font en ce moment. Donc je fais vivre mes personnages et j'essaye de les faire bouger toutes mes cases qui sont faites séparément. Ensuite je vais les scanner et je finirai sur l'ordinateur en rajoutant des noirs, en corrigeant certaines erreurs et en essayant de cadrer, de l'agrandir, de la rapetisser, de prendre toute la souplesse que ça peut amener, quoi, en quelque sorte. Cet outil-là a permis. Avant, il fallait faire le même boulot, mais ensuite, il fallait faire des photocopies pour réduire les crayons, pour agrandir, et il fallait se servir de la table lumineuse, etc. Et maintenant, cette technique-là, moi, c'est celle qui me permet d'être dans l'histoire, de ne pas quitter l'histoire, de ne pas être embêté par une histoire de cadrage ou une histoire de taille de la case. Ou de l'encre qui a pas séché dans un coin que je vais frotter. Donc voilà, c'est une méthode plus spontanée qu'auparavant.